bien celui de Louche XVSK aujourd'hui. On change un peu de style, on change un peu de style, on va aller sur Rage. Eh ben oui, Rage qui avait quand même eu la deuxième place dans le vote. Alors je sais pas pourquoi vous vouliez tellement Rage. C'est un bon jeu, hein, mais c'est vrai qu'il a fait un petit flop, hein, j'ai l'impression, hein, si je me dis, si je dis pas de bêtises à l'époque. À l'époque, il vendait du rêve parce que il y avait. Enfin, vous pouvez connaître peut-être pas, mais c'est quand même le papa du FPS qui est derrière, hein. C'est ID Software qui était derrière. Et derrière ID Software, il y avait John Carmack, qui était l'un des premiers à avoir codé des moteurs graphiques en 3D pour les FPS. C'est un peu lui, grâce à lui, enfin grâce à son studio, qu'on doit Doom, Quake, bref, des jeux de légende, hein. À l'époque. Et donc il était venu, il avait lancé son nouveau moteur graphique qui était l'ID Tech 5, si je dis pas de bêtises. Et donc l'ID Tech 5 avait une particularité, excusez-moi, c'est d'avoir un outil qui s'appelait le Mega Texture, qui s'est révélé un peu foireux sur console apparemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur PC, hein, vous pouvez voir la petite souris ici. Et qui avait créé pas mal de bugs sur les cartes graphiques ATI, je crois, à l'époque. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, moi, avec ma carte graphique ATI, je savais que je ne pouvais pas pousser le méga texture. En fait, il buguait même, les textures étaient toutes buguées, tout c'était hideux. Donc maintenant que j'ai une Nvidia, ça devrait pas poser de problème. Et donc voilà, donc c'est un FPS, hein, c'est un FPS dans un monde post-apocalyptique, hein, comme d'habitude, hein. Ah, c'était la mode à l'époque avec le Fallout nouveau qui était arrivé. Donc on va se lancer dans une nouvelle campagne. Oui, j'ai joué un peu, hein, parce que je voulais voir à quel point, hein, il était beau quand même à l'époque, hein. Enfin, encore aujourd'hui, je le trouve très beau, hein. Allez, on va y aller. Let's go, mes loulous! Reçu. Atlas Contrôle ici 1134. Vérifiez les systèmes. 1134. Système opérationnel. Protocole de lancement de l'arche planchée. Préparation cryogénique lancée. Commencez l'injection de nanocrite. Reçu. Système de maintien cryogénique connecté. Injecteur de lancement souterrain. Prêt. Fonctionnel à 97%. Phase de contrôle terminée. Personnel de l'Arche en stase. Ici 1134. Fin de transmission. Bien reçu, 1134. Déclenchez l'ensevelissement. Ici Atlas Contrôle. Fin de transmission. Puisse l'humanité survivre à ce jour. Perturbation externe détectée. Chambre de cryogénisation endommagée. Chambre Oméga 5 activée. Lancement de l'activation d'urgence des nanocrites. 3, 2, 1. Séquenceur de nanocrites connecté. Verrouillage de la chambre de cryogénisation désactivée. Température interne de l'arche normale. Réinitialisation des systèmes informatiques. J'ai peut-être zappé un truc, c'est peut-être d'augmenter un peu le gamma, hein, parce que moi, non, c'est pas ici le gamma. Y'a pas moyen d'augmenter le gamma? Non. Non, fichage, clavier, manette, difficulté. Non, pas moyen, bizarre. Allez hop, faisons le tuto, regardez en haut, regardez en bas, voilà, merci.
accepté. Alors, normalement le clavier est en QWERTY, donc faut que je le passe. Système de bio-augmentation QWERTY, si je veux jouer. Voilà. Aïe hop. Ah, vous êtes joli, monsieur. Oh mon dieu. Quel sourire d'enfer, y'a pas à dire. Diagnostic complet en cours. Bon, je peux sortir? Non, je peux pas. De l'arche, désenclenche aucun danger détecté. Je veux sortir! Y'a des caves partout! Nous voilà dans un monde. T'as quand même. Oh putain. Chaque fois, je m'extasie devant ces graphismes. Je sais pas pourquoi. Pourquoi les textures romaines n'ont pas l'air super? C'est déjà pas mal. Bon, allons-y. Hey, vous! Par ici! C'est dangereux ici, montez. Vous avez sûrement des questions, mais ce sera pour plus tard. Ces collines grouillent de bandits. Il faut pas traîner. Je suis Danagar et vous, vous avez une chance de cocu. Vous savez que les survivants de l'Arche rapportent un paquet de blé quand on les livre à l'autorité? Attendez, vous connaissez pas encore ce nom-là? Vous avez pas la moindre idée de ce qui se passe ici, pas vrai? Bienvenue dans le futur! J'adore le petit jouet avec la tête de Doom, la petite référence, le petit easter egg, là, c'est cool ça. Merde, il y a des bandits. Ça fait chier que vous portiez cette combinaison. C'est franchement pas discret. C'est leur territoire ici. Ils doivent chercher leurs potes. Merde, on est dans la panade là. Il faut qu'on aille chez moi. Quand ils verront ce que j'ai fait, ils voudront ma peau. Et la vôtre? Ouais, mais quitte à voir ma peau, est-ce que je peux avoir tes lunettes, mec? Non, il pourrait bien nous tirer d'affaire. Allez, allons-y. Dans son territoire. On peut mettre la radio un peu. Et nous y voilà, mon chez-moi. En tout cas, t'as de belles voitures, hein. Et un beau petit quad. Bon, je peux sortir? Il faut qu'on discute. Descendez du buggy. Oh, vas-y, là. Parle-moi autrement, wesh. Petit con, va. Venez, par ici. Oh, genre, t'as un sniper, du con. Non, bah, je sais que j'ai un sniper. Ah, je veux ce flingue. Donnez-moi ce flingue, monsieur! C'est quoi ça? C'est une arbalète? Vous savez, j'ai risqué gros pour vous sauver. Ma vie, d'une part, mais surtout celle de tous les autres ici. C'est en faisant profil bas que j'ai pu survivre aussi longtemps. Mais voilà que j'ai enfreint cette règle. Alors voilà ce que vous allez faire. Allez au repère des bandits. Et tuez-les tous, jusqu'au dernier. Que pas un n'en échappe. Pas un seul. Prenez un de mes quads dans le garage. Le pistolet et les affaires sur la table. Ah oui, et je saurai vous récompenser. Revenez en vie et je vous dégoterai une armure que vous porterez par-dessus votre combinaison de l'arche. Ça vous tente? Et au fait, vous devriez pas avoir trop de mal avec ces bandits. A priori. Pareil que vous, les types de l'Arche, vous avez quelque chose de spécial. Bah, on a une tenue de guet.
c'est le truc spécial qu'on a, hein. Allez, oh Buggy, wesh. Allez, allons-y. Oh là là. Oh, ce que c'est beau quand même. Oh, ce que c'est beau. Oh là là. Par contre, là, je reste... Ouf. Ah, franchement, regardez... Regardez les décors, mais... Ça claque encore, hein, même aujourd'hui. C'est hallucinant, quoi. Oh, finalement, je suis content que vous ayez choisi Red. Comme ça... Moi, je pourrais me dire que je vais pas me faire saigner les yeux graphiquement. Oui, je sais, les graphismes ne font pas tout, je sais. Mais bon, j'avais aussi envie d'aller sur Rage parce que... si je continue Dark Souls, je sais que je vais péter un câble. Donc, faut que j'alterne un peu parce que sinon... ma santé mentale va vraiment prendre un gros coup. Genre, t'es tombé de 2 mètres, même pas, t'es tombé de 50 cm, tu t'es fait mal. Si ma fabrication vous permet de créer... Hein ? J'ai pas le temps de lire. Oui, fouiller les cadavres, je sais. Des petits sous, des petits sous. Pourquoi il y a vraiment des textures dégueulasses par moment. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont choisi comme, comme couleur ici, mais c'est bizarre en fait, parce que quand on sort... Quand on est dans le Westland, c'est super coloré et tout, et quand on arrive ici, c'est chelou les couleurs. Je sais pas pour vous, mais... C'est un peu chelou les couleurs qu'on arrive ici pour moi. T'as un truc ici? Je veux un nouveau couteau. Oula. Tu veux un nouveau couteau? Et en bas, ouais, genre! Je m'en charge! Je vais te saigner à blanc! Même pas en rêve, tu vas me saigner à blanc. Allez, file-moi tes dollars. Yep! Bon, par contre, il fait des bons à la Doom par contre. Hein. Il fait des sauts. Monstrueux, hein. Yep! Alors qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a là? C'est une Xbox One blanche! Mon dieu! Ils avaient prévu le coup! Ils le savaient! Il y avait déjà des Xbox One dans Reach! Mon dieu, mon dieu! Oh là là, John Carmack, grand prophète 2014 ici! Oh putain! Ça ressemblait un peu à une Xbox One, hein! Ah, y'a pas de moteur physique. Bouh. Ah, écoute, t'es arrivé, mec. Hein. T'as cru que t'allais m'avoir. Hein. T'y as cru, hein. Moi aussi, j'aurais pu y croire. Malheureusement, je suis XVSK. Donc, malheureusement pour toi, quand y'a XVSK, il n'y a que la mort qui t'attend. Ah, putain. Voilà. Salut. C'est bon, t'as eu ta dose. Merci. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des sous? Non. À droite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien du tout. Il est par là. Ah bah putain, c'est des putains Yamakasi, hein, ce mec, hein. Là, y a pas des balles là dans le coin, parce que je commence un peu à être à court là. Tiens, tiens, voyez un peu ce que nous envoie Agar. Faut avoir un sacré culot pour pénétrer chez nous comme ça. Emmenez-le à la salle d'exécution. Ah, tu es conscient. Bien. J'aime lire la peur dans les yeux de mes proies. Promis, tu vas souffrir. Et maintenant, faut revenir à la vie. Vous allez mourir. Les nanotrites dans votre corps peuvent vous ranimer et neutraliser tous les ennemis à proximité. Attendez que le module soit chargé. Une fois chargé, les nodules se dirigent vers l'un vers l'autre. Appuyez sur A à ce moment-là. Attention, les nodules ne se croisent qu'une seule fois si vous n'appuyez pas la commande au bon moment. Ok.
3, 2, 1, go! Voilà. Ah, je reprends mon flingue. Ah, t'avais 3 balles de pistolet. C'est frais. Ses doigts sont un peu bizarres quand même. Hein. Je sais pas pour vous. Regardez en plus là, l'icône. On sent clairement que... que notre ami le Punisher est passé par ici. Hein. Ah, c'est frais. Et on sent que... comment il s'appelle encore? Monsieur Jack est passé. Oh merde. N'oubliez pas de se garder régulièrement. Oh, attends, F5. Voilà. F5, ça marche bien. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que... un intrus! Un intrus! Je m'en fous de la discrétion, moi, je peux protéger des gens. Je le vois. Je suis là pour tuer des gens. Ah! Ça fait peur, lui. Il avance dangereusement. Il est où, le dernier, là? Ah, il y en a un à droite. Allez, meurs! Voilà, le petit headshot qui va bien. C'est quoi ce lit? Bonjour! Je vais passer. Je prends les balles, je prends les balles. Je prends le pot aussi. Je dois aller où là? Ah, je crois que c'est par là. Par le petit coin là-bas. C'est quoi ce machin qui vole là? Bref, on s'en fout. Je le vois. Ya! Ah, tu con. Ah merde, y'en a plein. Voilà, easy. Oh! On va pouvoir boucler un bronzé là. Ah bah oui, hein. Excusez-moi, mais 108 ans, sans couler un bronze, voilà quoi. C'est un peu comme apprendre à marcher, hein. Sauf que là, c'est apprendre à faire caca. Oh, bonjour monsieur. Il est par là. Excusez-moi monsieur. Ah, un nouveau. Copain, allez viens. Le voilà. Viens. Merci pour l'argent. Allez, des grenades, non. Où sont les autres? Là. Oh putain, ça va mec, calme-toi là. Qu'est-ce que je t'ai fait là? Évidemment, c'est F2 pour switch aux grenades. Il est par là. Dégage. Ah, je l'ai eu, on dirait. T'as pris une balle là, t'étais pas mort. Sérieux là? Il est où l'autre? Ah bah c'est vrai, je l'ai un peu explosé. Par contre, je suis étonné que le corps n'est pas... ne soit pas resté sur place en fait. Oh merde, ça pue ça. Oh, ça pue. Je suis étonné de pas trouver de Kleenex. Hein. Attendez un peu, faut que je regarde un truc. Option, clavier, commande. Il est où le corps à corps? Commande déplacement. Commande des armes. Alors. V. Oh là là, mais c'est ignoble V. Merci. Ce sera mieux comme ça. Mais genre! C'est quoi ce bordel? Petite bouteille! Je suppose qu'avec les bandages, je peux faire des côtés molotov avec. Parce que je sais que normalement, il doit y avoir du craft aussi dans le jeu. Hé, j'ai peur. Bats-toi, lopette. Je le vois. Boum!
tirer sur... Ce fumier m'a touché. Qui m'a tiré dessus là? C'est qui l'en pas fait qui m'a tiré dessus là? J'ai pas compris. Ah d'accord, c'était au fond. Putain mais genre il prend pas ses balles quoi. Ah mais là il prend... J'ai dégusté. Hein? Ah on peut prendre des sous là-dedans aussi, je savais pas. Voilà, tout est mort. J'ai fini, mec. Voilà, c'est bon, on a fini. Ouf, bon. On prend les balles, on prend un babal, on prend un babal, on prend un babal, on prend un babal. Hop là, c'est bon. Et on se barre en tyrolienne. Hop là. On admire le Westland. Magnifique, n'est-ce pas? C'est bon, on a tué tout le monde, on peut se barrer. Allez. On va retourner voir notre ami. N'oubliez pas de sauvegarder également. Bah oui, mais en même temps, il y a des saves automatiques. Le fait que le jeu est sorti sur console, donc... D'ailleurs, John Carmack avait dit que... avoir développé le jeu pour la console avait été une erreur. Ce qui est très rare, hein, les gens qui disent ça. Enfin, moi déjà, ça m'avait étonné de voir Rage débarquer sur console, mais moi, je pense que Bethesda est un peu derrière, hein, pour ce genre de choses. Parce que ID Software, c'était surtout un studio qui était uniquement sur PC, quoi. Depuis qu'ils ont été... je crois qu'ils ont été rachetés par Bethesda, et... Bethesda, ben, ils veulent du pognon, hein, Bethesda, ils veulent que ça sorte partout, hein. Les vilains. C'est pas parce que vous avez sorti Skyrim et Fallout que ça y est, faut se la péter, hein, bande de pute. C'est ce que j'ai à vous dire. Non. Ah, ça va, n'oubliez pas. Le vendeur. Salut, j'ai fini. Bien joué. On devrait être tranquille un moment. Je vous remercie et je vous donnerai l'armure, comme promis. Mais comme vous le voyez, on a un autre problème. Écoutez, le camp a été attaqué en votre absence. Des bandits qu'on connaissait même pas. Ils ont rien volé. Ils cherchaient qu'à tuer. On a des blessés et on manque de matériel médical. Je vais encore avoir besoin de vous. Vous trouverez un autre camp derrière la colline en face. Ce sont des gens solitaires, mais des amis. Et ils sont équipés. Remettez cette lettre à Richter. Il saura quoi faire. Si vous me rendez ce service, je demanderai au mécano du village de vous dégoter un buggy. Marché conclu. Merci. Et vérifiez qu'il vous manque rien avant de partir. Munitions, windstick. Sinon, voyez Alec. Vous le trouverez devant, sous le vieux panneau. Hein? Je vais mettre ton sniper par contre. War Star Ballet là, elle est pas mal. Salut. Rapportez-nous vite ces vivres. Nous en aurons besoin si les bandits reviennent. Attends, il a dit munitions, vivres. Mais où est-ce qu'on peut choper des munitions? Je vais pas prendre ton buggy, connard. Normalement, il est où le mec qui peut me permettre de... Ah, la demoiselle! Je crois qu'elle peut m'entraîner. Ah non. Ne dis rien. Tu veux apprendre à lancer un windstick? Ouais. C'est pas un truc facile. M'en fous, je vois pas. Je vois que Dan t'a donné un flingue. C'est pas une mauvaise arme, mais si tu veux faire dans la subtilité, rien ne vaut un wingstick. Son anneau centre aide à mieux viser, mais il faut quand même que tu t'entraînes un minimum. Alors voilà ce qu'on va faire. Montre-moi que tu sais t'en servir, et je dirai à Alec qu'il peut t'en vendre. Prêt à tenter le coup? Très bonne chasse. Alors voilà les règles. Des cibles vont apparaître. Touche-les le plus vite possible, éclate-en un maximum dans le temps imparti. Hop là! Yahoo! Je suis un dieu! Bien joué! Je suis un dieu, allez, putain! T'as beaucoup de temps. Bien joué! Putain, ce scoring! Bien joué! Je plains ces pauvres drones d'entraînement. Va voir Alex si tu veux un wingstick. Ouais! Je veux un wingstick! Mais maintenant, acheter d'autres chez les vendeurs.
Et il est où le vendeur, c'est la question. Foutu bandit. Qu'est-ce qu'il y a ? On s'est fait attaquer en ton absence. On les a chassés, mais ils ont causé. D'accord. Tu peux me parler, d'accord, j'ai compris. Tu me détestes. Ah, là, il est là, le vendeur. Il est là. Bonjour, étranger. Je suis Alec. Baldwin ! C'est un plaisir de vous rencontrer. Ici, c'est ma boutique. J'ai tout ce qu'il faut pour faire de vous un guerrier. La crème du Westland. Mmh. Ah oui, et si vous trouvez un objet précieux dont vous ne faites rien, amenez-le-moi. J'achète à bon prix les choses de qualité. Est-ce que vous voulez jeter un petit coup d'œil ? Ouais, quand même. J'ai peut-être quelque chose d'utile pour vous. C'est quoi ça ? Monoculaire, la moitié. Des bandages, j'ai pas tellement besoin. On va acheter pour voir. On va lui acheter des windsticks aussi. Voilà. J'espère qu'on fera encore affaire. Mais comment je l'équipe, le monoculaire ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? On va acheter des munitions. Ouais, 300 balles, c'est bon. Revenez me voir très vite. Ah, m'en fous. Allez hop, en voiture Simon. Attends, il m'a donné une armure, mais bizarrement c'est la même quoi. Pourquoi mon look il a pas changé? Hein? M'expliquer là. Oula, top. Attention. Où ça pue ce territoire? Où ça pue? Ça, je vais me faire agresser dans pas longtemps. Ah non. Not pressing. Bonjour. Comment allez-vous? Vous cherchez Richter? Il est là-haut. Si vous êtes en mission, allez-vous. Je peux faire quelque chose pour vous? Alors comme ça, Dan a encore des ennuis. Il faut absolument que Janus voie cette liste. Allez-y, elle est là-haut. Donnez-lui le mot et ensuite, revenez me voir. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Janus? Ça rime avec Anus? Vous devez être un nouvel ami de Dan. Faites-moi voir ce qu'il vous faut. Je devrais pouvoir trouver tout ça. Mais vous savez ce que c'est ici. On vous aide, vous nous aidez, d'accord? Un membre du groupe, Juno, a disparu il y a quelques jours. Et je me fais un sang d'encre pour lui. Pendant que je rassemble vos affaires, pourriez-vous partir à sa recherche? Si vous retrouvez sa trace, je vous offrirai ma méthode pour créer des bandages de guérison. Acceptez-vous de m'aider? Bonne chance, pourvu qu'il soit en vie. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que votre pistolet vaut pas un clou. Ah merci. Je pourrais vous donner un flingue, un vrai. Et donnez-nous un coup de main et vous verrez de quoi je parle. Ouais oui, ça va, j'ai compris. D'accord, je peux même pas passer. Notre pylône radio sur la colline est en panne. Faut que quelqu'un le répare. Il doit être légèrement décalé. Arrangez ça pour moi et je vous donnerai un fusil à pompe. Bonne chance. Ça devrait être du gâteau. Ah, je suis toujours OP pour un fusil à pompe, moi. Ah, toujours OP. Ah, oh, putain, fusil à pompe. Ah, fusil à pompe. Attendez. Comment je fais pour switcher d'arme encore? Est-ce qu'il n'y a pas une autre touche? Non. Ça, là. Comment est-ce que je fais pour... Ah ouais, c'est comme ça. Bon, mon buggy. Enfin, mon quad. Allez hop, allons-y. Ah d'accord, faut carrément passer par là. Ouh, ça pue. Ouh, je vais me faire agresser. Pour le moment, il n'y a pas grand chose. Là, je vais pas me faire agresser ici. Je vais me faire
faire agresser à l'intérieur. Ah. Hein? Eh ben trouvez-le! C'est qui ça? Oh! Ça fait mal cette merde, putain! Ah, ils ont des fusils d'assaut, ces bâtards! Bonjour! Et moi aussi, je veux un fusil d'assaut là. Il est là! Hein? Oh merde là! Il est là! C'est bon? J'ai morflé! T'as morflé? Attends, mec. Merde! Voilà! Pourquoi je fais que je vais pas devoir me taper ce monocle à la con à chaque fois que je dois utiliser mon arme? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah. C'est ici qui vient de faire caca, Berk. Bonjour, il croûte dans le cul après, hein. Hey. Excuse-moi, mec, hein. C'est pas que je t'aime pas, mais tu me courais dessus avec une mitrailleuse. En plus, vu que je suis un héros de jeu vidéo, bah, je peux pas utiliser. Watch your step. Oh merde. Non, 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 non. On va pas y aller parce que quand j'ai quand même marqué regardez vous marcher, c'est bon quoi. C'est pas pour moi ça. Bon. C'est pas pour vous, mais je sens le piège arriver. Ah, notamment ici. Je sens qu'il y en a un qui va arriver de nulle part pour essayer de me buter. Et on dirait pas, hein. On dirait pas, hein. Au retour alors. D'accord, c'est... Oh merde! C'est quoi ces mecs? Hein? Maintenant c'est que Juno est mort. Activer le mécanisme d'auto-calibrage. Comment je fais ce miracle? Ah, ouais, d'accord. Il va y avoir un escalier quelque part. Ta 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 ta. Oh, quelqu'un? Oh merde. Quelqu'un? Quelqu'un? Oh merde. Voilà! Redescendez par quoi? La tyrolienne. Mais ils ont mis des tyroliennes partout quoi dans ce jeu? Dites à cœur que vous avez réussi. Oh bah ça va, c'est juste ça, je peux le faire. Et mon buggy! Buggy! Non, j'ai mon buggy, j'ai mon buggy. Oh, quel mot ça. Je pars pas sans lui, hein, c'est même pas en rêve ça. C'est même pas en rêve. Oh ouais. Non. Bonjour. Bon voilà. Allez voir. Oui oui, j'y vais. Et vous cherchez du boulot? Non, je cherche pas du boulot, désolé. Tiens, salut. Pas mal, étranger. Et je savais pas pour les mutants. C'est vraiment rare qu'ils viennent jusqu'ici. Joli travail. Janus attend. Dites-lui ce que vous avez trouvé. Juno est mort. J'avais un mauvais pressentiment, mais j'espérais qu'il reviendrait. Ce monde est vraiment impitoyable. Mais merci d'avoir cherché. Voilà ce qu'il vous fallait, ainsi que les instructions pour fabriquer des bandages. Rassemblez tous les éléments figurant sur la liste. Ils vous aideront en cas de blessure. Encore merci et bonne chance.
Waouh, vous avez obtenu votre première recette de fabrication. Ouais, attends, ma souris, elle est où? Voilà. Ok. Un porteur. J'ai un fusil à pompe. Oh ouais, baby. D'abord, un petit conseil. Hein? Ces collines grouillent de tribus de bandits. Et ils se battent entre eux d'habitude, mais... ils vous tueront avant de chercher à connaître vos intentions si vous passez sur leur terre. Soyez prudent. Tout ce que t'avais à me dire. Nul. Sans jumeaux, je ne peux pas quitter mon poste. Mais il faut avertir les grands voisins que des mutants rôdent dans le coin. Mmh. Tu vas me donner un coup de main? Mmh. Excellent. Bien. Prenez ces feux d'artifice et tirez-les du haut de la crête. Ok. J'ai installé un mortier. Vous le verrez tout de suite. Ok. Bon, on va aller faire ça. Je crois bien de faire des petites quêtes. Faites gaffe à vous. Ah, me dites pas qu'il va me renvoyer où je pense, hein. Non, ça va. Allez, hop. Oula. Doucement, Rex, doucement. Il manquerait plus que tu fasses péter le quad. Allez, plus vite, plus vite. Oh ouais, plus vite. Oh ouais. Oh putain. Ah mais cette vue, putain, cette vue. Moi, oh, elle envoie trop du lourd, je trouve. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'elle envoie du méga lourd à chaque fois que je la vois. Oh non, ils vont m'envoyer dans. Non. Ah non. Ah merde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? C'est tout? Oh putain! T'avais pas vu toi? Oh putain! Ah ouais, d'accord. Merde. Ah bah j'ai pas loupé hein lui. En pleine tête quoi. Ah ouais, c'est pas avant que des mutants se ramènent. Je me demandais c'était quoi qui me tapait. Et forcément c'est toujours un monstre hein, qui vous tape. Ah là, on a jamais de bol dans les jeux vidéo. Oh merde. Non, Alex, 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 s'il te plaît. Commence pas à aller n'importe où, ça sert à rien. Du coup, t'es en train de me dire qu'en 104 ans, ses cheveux n'ont pas poussé. C'est chaud quand même, hein. Enfin, moi, je me trouverais dans un Westland avec une coupe pareille, j'aurais la honte de ma life, quoi. Je sais pas pour vous, mais... regardez-le, là. Hop. Je sais pas, moi, je vois ça... je te rigole au nez, hein, mec, hein. Oh, c'est moche comme coiffure, sérieux. On dirait celle des Captain. De Iron Patriot. Oh là, comment c'était moche ce genre de coiffure. Je sais pas comment est-ce que les gens peuvent faire ça, c'est tellement hideux. Hideux. Allez, on y va. Encore lui, ça va encore, tu vois. On dirait un croisement. Non, on dirait un Mexicain noir. Voilà. Lui par contre on peut pas dire ce que j'ai c'est. Le feu d'artifice. Bien joué. Voilà ce que je vous ai promis. Ok. Ah bah des bandages quoi. Salut mec. Putain. Tu souris à la vie toi, ça se voit hein. Par contre, tes lunettes, oh mec, putain. Ces lunettes, quoi. Juste ignoble. Bon, allez, on va quand même retourner dans le campement hein, pour donner les bandages. Hein. Sinon, on n'avancera pas. Allez, 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 allez.
Oula, oula. Pardon. Ah putain, tes briques sont plus puissantes qu'un buggy, mec. Oh mais merde, stop. Salut, j'ai les bandages. Bien joué. Je commence à croire que j'ai bien fait de vous sauver la vie. Vous êtes vraiment un homme de confiance et je vous dois une faveur. Allez donc parler du buggy à Durard. Vous le trouverez dans le garage. Nous avions bien besoin. Stop dormir du con là. Le garage. Eh hey, viens voir. Non, désolé, j'ai pas envie de venir voir. Salut mec. Eh hey, vieux. Dan a dit que t'allais me débarrasser de ce vieux buggy. En fait, ce buggy, il est pas si mal. Mais il a besoin d'être bricolé un peu. Moi, je peux le réparer. Mais les pièces, c'est à toi de les trouver. Va voir Johan au camp Outrigger. Il pourra t'aider, d'accord? Ok, j'attends que tu me ramènes ces pièces. Oui, bah ça attendra un peu quand même, hein. C'est quoi ça? Pousser l'adrénaline. Bon, ça peut être sympa. Oh putain, il a pas une gueule de héros, hein, lui. Oh putain. Alors, on a combien? Ah, c'est quoi ça? Ouais. Bon, on a pas grand chose là. Ce que je comprends pas, c'est quoi la touche pour afficher le truc là, ici? Parce que je sais qu'il y a une touche aussi pour afficher les objets, mais je sais plus lesquels. On va regarder ça vite fait et après on va s'arrêter ici. Quoi, tirer, ça va quoi. Faut juste que je trouve l'endroit où c'est marqué contre section d'armes. Activer utilisation rapide. Ouais, plancement rapide. Canon impulsion, lance-roquette, munitions précédentes. Oh putain, il y a tellement de trucs à gérer là-dessus. Mais apparemment, c'est tout ce qu'il y a. Ouais, je peux pas. Pratiquement, j'appuie sur F1, F2, F3, F4 pour pouvoir activer un truc. C'est chiant ça! Enfin, bref, c'est pas grave. Allez, loulou! Sur ce, on va se laisser ici. J'espère que ce premier épisode de Rage vous aura plu. Désolé pour ceux qui attendaient du Dark Souls, hein. Mais j'ai quand même m'entraîné un peu sur Dark Souls avant d'y retourner parce que là, c'était. C'est l'épisode 3, c'est bon, c'est l'épisode de la honte, c'est l'épisode où je me suis fait humilier. Donc voilà, je vais m'entraîner un peu quand même, histoire d'essayer d'avancer, de pouvoir avancer sans forcément me faire tuer comme une vieille merde. Sur ce, les loulous, je vous laisse ici. Prenez soin de vous, pour toi, Kenroll, n'oublie pas d'avoir la... Oui, attitude, comme d'habitude, j'ai trouvé des pots au cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez ces dictons, je vous laisse, je vous fais plein de poutres, tout je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, bye, et peace, peace.